Depuis quelques jours, on ne parle que de ce match. Les tribunes se remplissent, les visages sont tendus, la tension est palpable. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite à l'Al Bayt Stadium. L'attente est énorme à quelques minutes du coup d'envoi de ce match à l'Al Bayt Stadium. Salut à toutes et à tous, on a hâte que ça commence. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. C'est un huitième de finale du mondial qu'on vous propose. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. On commence à sentir l'atmosphère de la haute compétition. Plus que 16 équipes en lice. Maintenant, c'est une affaire de gestion émotionnelle, des capacités à maîtriser l'enjeu. Voici le 11 pour l'Angleterre. Dans le but, Jordan Pickford, Harry Maguire avec Stones en défense centrale. Raheem Sterling sera avec Saka sur les ailes. Et en pointe, c'est donc Harry Kane. On va tout de suite s'intéresser à la composition de cette équipe. Rapidité, endurance, organisation. Ce 4-4-2 à plat, c'est un classique. Mais c'est indémodable dans le football. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. Trépin Diata. Dia. Bon ballon en profondeur. Eh non, ça ne trouve pas le partenaire. Le ballon est repris par l'adversaire. Et on en profite pour parler d'un joueur qui monopolise tout le temps l'attention d'une défense. C'est un grand buteur, il est anglais, c'est Harry Kane. Voilà, on connaît sa capacité à faire circuler le ballon, à établir les connexions entre les lignes. C'est une capacité impressionnante à faire circuler le son dans le corps de l'équipe. Le ballon pour Harry Kane. Avec Saka. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Pantiata qui peut avancer sur l'aile. Le centre vers la surface de réparation. Et c'est au fond des filets. Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et regardez cette conclusion. La reprise des volets en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. C'est un missile ce ballon. L'engagement est donné par l'Angleterre. Il faut réagir après ce but encaissé. Mason Mount. Bukayo Saka.
Saka. Ballon pour Kieran Trippier. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Pour Mendy. Dia. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Et finalement, pas de danger. Harry Kane. Le ballon vers Bellingham. Declan Rice. Bonne intervention, la passe est interceptée. Dia. Ouais, Maguire bien placé. Et ça joue sur Ismaïl Assar. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Ouais, très bien défendu. Bellingham. Voilà, c'est fini. C'est la fin de la première mi-temps à l'Al-Bayt Stadium. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Ce ballon piqué vers Sterling. Et ça joue sur Saka. Le duel pour récupérer la balle. Bukayo Saka reçoit le ballon. Et c'est encore pour Harry Kane. Allez, construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Ah là là, ballon perdu et ça repart donc dans l'autre sens. Bukayo Saka reçoit le ballon. Ballon pour Kane. Avec Mason Mount. Le ballon pour Harry Kane. Et c'est pour Bellingham. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté. Toujours ce petit but de retard. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ballon pour Henderson. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Bellingham. Ballon pour Kieran Trippier. Et ça revient sur Bellingham. Et ça joue sur Trippier. Le ballon sort, c'est une touche. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Crépin Diata. La balle pour Ganagay. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Ouais, l'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème des synchronisations. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. Rashford avec ce ballon. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement le ballon lui échappe. Coup d'œil sur la performance d'Harry Kane, et pour le moment, c'est pas un grand match. Pour pouvoir être supérieur à l'adversaire, il faut être conquérant, forcer la faille. Le mérite toujours dans l'audace, pas dans le contrôle.
il faut que l'inspiration dépasse l'application. Et c'est intercepté, ça. Ouais, c'est bien vu, dans le dos des défenseurs. Henderson en possession du ballon. Ça continue avec Rice. Quelle belle occasion gâchée, le ballon file en 6 mètres. Et le changement est demandé et il a lieu. L'arbitre laisse l'avantage. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Henderson. Le ballon pour Harry Kane. Toute l'équipe y croit. La dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. Oui, le plongeon, Edouard Mendy. Voilà, changement donc. Ah, il est important ce corner, peut-être une chance d'égaliser. C'est bien parti pour ce corner. Ouais, mais quelle fin de match avec ce but et cette égalisation. Et peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose. On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et voilà le cabezazo. La tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Et avec ce but, score de parité, un partout. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et l'arbitre siffle maintenant la fin. Dès 90 minutes, on va donc assister à la prolongation. Et voilà, le début de cette prolongation. Évidemment, l'enjeu, c'est de départager les deux équipes. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Ballon par-dessus, vers Ismaïla Sarr. Ça sort en touche. Mason Mount. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Luke Shaw. Ça passe par Declan Rice. Henderson. C'est sur Marcus Rashford. Et ça joue sur Rice. Avec Grealish. Oh, ça peut aller au but. Et c'est au fond. Goal! Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ce but est crucial, il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Et l'arbitre siffle la fin donc de la mi-temps de cette prolongation, le temps de se rafraîchir un peu, et on repart donc pour 15 minutes. Alors la prolongation va bientôt livrer son verdict, voilà le coup d'envoi de la deuxième période.
Mason Mount. Ça joue avec Declan Rice maintenant. Rashford. C'est pour Rashford encore. Et il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ce ballon piqué vers Diatta. Dernière offensive et peut-être un dernier bon ballon à utiliser pour égaliser. Oh là là, la faute là, la faute sur cette attaque. Qu'est-ce que va dire l'arbitre maintenant? Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Et le centre qui part au deuxième poteau. Et oui, c'est au fond des filets. Ce but donc leur permet de revenir dans ce match. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et pour finir, la conclusion de la tête du début à la fin, c'est une action magnifique. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2 buts partout. Oh, la faute reste sur ce tacle. Attention, que va dire l'arbitre là-dessus? Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Vu le contexte dans cette rencontre, un but maintenant et c'est la victoire assurée. Et 2 minutes minimum de temps additionnel. Et c'est donc terminé, toujours pas de vainqueur pour départager les deux équipes. On va donc assister à une séance de tirs. Tireur se présente et bim, en pleine lucarne. Et oui, moi aussi je l'ai tiré comme ça. Pour un gardien, c'est imparable. Le sauvetage de Pickford. Oui, c'est réussi. Peu importe la manière, tant que c'est au fond. Et oui, c'est dedans. Et une bonne chose de faite. En finesse ou en force, il va falloir faire un choix. Oui, bien joué, parfaitement exécuté. La pression est maintenant sur l'autre équipe. Oh, la parade et quel exploit! C'est vraiment magnifique ça! Il n'y a plus de calcul, si le tir au but est transformé, c'est gagné. Cette Panenka est manquée, le gardien ne s'est pas fait surprendre. Il n'a pas su ou pas pu cacher ce qu'il voulait faire. On ne va pas se mentir, c'est très mal joué sur ce coup. C'est bien tiré, le ballon vient frôler le poteau. À ras des terres, comme ça, c'est quasiment imparable. L'enjeu est très clair, si c'est au fond, c'est la victoire pour son équipe. Et c'est transformé, le voilà, c'est le tir au but de la qualif. C'est pas facile avec cette pression, mais qu'est-ce que c'est très bien tiré. Par-dessus le gardien pour conclure en beauté, on le revoit. C'est un geste personnellement que j'aime beaucoup parce qu'il demande de l'élégance et surtout énormément de coordination des mouvements.
le centre vers la surface de réparation. Et c'est au fond des filets, ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre... Toute l'équipe y croit, la dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. Oui, le plongeon, Edouard Mendy. Voilà, changement donc. C'est bien parti pour ce corner. Ouais, mais quelle fin de match avec ce but et cette égalisation. Et peut-être, peut-être qu'il peut encore se passer. Et ça joue sur Rice. Avec Grealish. Et c'est au fond, goal! Et le centre qui part au deuxième poteau. Et oui, c'est au fond des filets. Ce but donc leur permet de revenir dans ce match. Et c'est transformé. Le voilà. C'est le tir au but de la qualif. C'est pas facile avec cette pression.